Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai commencé à décorer l'intérieur de l'album suite à la vidéo tuto album reliure accordéon. Donc, j'ai commencé à décorer l'intérieur de l'album et du coup, j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir économiser les papiers parce qu'ils sont tellement beaux qu'on a envie de les utiliser au maximum, de ne pas en perdre une goutte. Donc, j'avais montré comment je faisais pour faire cela. Et sur la longueur de papier, en fait, quand vous découpez, il vous reste une petite bande. Donc, quand vous coupez ici à, je ne sais plus déjà, quand vous coupez à 12, sur la longueur des 30 cm, dans le haut de votre feuille 30-30, vous avez un petit carré qui vous reste comme ça. Et j'ai eu l'idée d'utiliser le petit rebord, c'est-à-dire que quand j'ai découpé les feuilles, si vous vous souvenez, j'avais deux feuilles dans la longueur et il me restait une petite bandelette. Il me restait une petite bandelette avec le pli. Fait en bout de page. Et donc cette petite bandelette, eh ben, je l'utilise pour le derrière de la page et je le dimensionne à la bonne longueur. Ensuite, je fais un pli. Comme ceci. Et donc quand je mets, par exemple, j'ai mis cette partie-là et le surplus, ben, je l'ai mis ici. Et avec un joli tampon, alors moi j'ai utilisé un tampon de chez Florilège. Donc c'est le tampon. Feuillet papillon. Alors je l'ai tamponné avec de la Distress Oxide, Fiddy Jean, et ensuite je l'ai collé ici le long en collant. Donc bien sûr je l'ai remis à dimension. Donc j'angle les bords. J'utilise mon tampon feuillet papillon que j'adore. Celui-là, je l'ai acheté à version scrap il y a 4 ans. Le premier jour, alors je ne sais plus si je l'ai acheté là ou si je l'ai acheté par la suite lors d'une... sur internet. Voilà. Donc. Voilà. Donc lorsque je coupe une feuille de la collection, donc celle-ci je vais récupérer les étiquettes ici, mais celle-ci je les aime un petit peu moins, donc je vais couper dans ce papier-là. Et comme ça, en plus, ça permet d'utiliser le papier recto verso. Donc le papier, je le coupe à 12 cm.
je coupe une longueur de 18. Ensuite, je recoupe à 2 pour pouvoir le coller comme ceci. Avant, je vais ancrer les bords avec la Distress Oxide Faded Jean. Donc, je vais le coller comme ceci. Et là, je vais utiliser le papier, soit celui-là, soit ce côté-là, selon l'envie. Et je vais ajouter la petite pochette ici. Donc je vais ancrer le papier tout autour et je vais le coller. Je vais mettre de la colle ici, ici et sur le petit bord là. Et je le collerai comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça tout le long. Comme ça, ça permet de bien optimiser les papiers. Donc voilà comment j'ai commencé. Hein. Après, vous pouvez faire un motif différent. Là, j'ai fait une petite fantaisie aussi. Donc là, c'est une des cartes fournies dans le kit. Elle s'insère dans la pochette. Et je vous montrerai tout ça une fois fini. Mais je voulais vous montrer cette petite étape avec la petite pochette supplémentaire. Donc après, vous pouvez insérer également une photo. D'ailleurs, une photo 10-15 devrait pouvoir rentrer. Oui, une photo 10-15 rentre sans problème. Donc, c'est vraiment pratique. Voilà, donc je continue hors caméra de décorer l'album. Et je vous montre tout ça une fois fini. Gros bisous. Bonjour, donc j'ai bien avancé l'album. Donc je vais vous montrer ensuite le contenu. Mais je vais faire d'abord avec vous ce petit décor-là. Voilà, à l'intérieur, pour économiser le papier, donc j'avais mis une demi-feuille ici. Et là, je voulais faire une pochette, comme je vous ai expliqué précédemment, avec du papier cardstock blanc que je décore moi-même. Et ensuite, ça vous fait une pochette pour insérer vos photos. Donc, ce papier-là, ce n'est pas un papier imprimé, c'est moi qui l'ai fait et je vais vous montrer comment je procède. Donc, je vais utiliser un tampon que j'ai trouvé en solde chez Cultura. C'est un tampon des Museum Art. Il vient de chez Aladdin. Je l'ai eu à moins 50%. Voilà, donc un très très beau tampon papillon. Donc, je prends mon cardstock. Je prends mon encre Distress Oxide. Mon petit tapis mousse pour que ça adhère mieux. Bon, si vous n'en avez pas, bah, vous utilisez un tapis de souris ou quelque chose d'un petit peu mou. Donc, vous ancrez bien votre tampon bois. Et vous le tamponnez aléatoirement sur votre feuille et tout de suite avec un bout de cut and dry avant que ça sèche, vous estompez comme ça l'encre et ça fait un effet diffus très joli, je trouve. Je vais vous montrer par rapport à quand on ne le diffuse pas. Voyez, ça fait un effet un peu moins flou, hein.
Alors, je vais vous montrer ce que c'est que le cut and dry. C'est une planche de mousse comme ça que moi j'ai acheté chez Cultura et donc il y a un côté mousse ferme et l'autre mousse moelleuse et vous découpez avec le ciseau des morceaux et après ça vous fait des morceaux de mousse comme ça. Donc cette méthode là c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai dans une chaîne que j'aime beaucoup. Cette chaîne, c'est une chaîne américaine. C'est une personne qui s'appelle Scrap Cozy. Et elle fait vraiment de belles choses. Elle fait plein de démonstrations avec plein de techniques et de produits de marques que j'adore, comme Paper Artsy. Elle utilise des infusions. Elle utilise plein de belles techniques et de beaux produits. Et du coup, c'est elle qui a montré dans une de ses vidéos cette technique où l'on diffuse comme ça les tampons. Et moi, je trouve ça super beau. Et après, moi, ce que je fais, c'est que comme je veux pas que le fond soit blanc, et ben, je vais rajouter autour du bleu dans le fond. Je vais utiliser ce petit papillon là parce que je veux pas qu'il y ait trop de blanc non plus entre deux. Voilà, ce point veut bien se faire. Donc depuis le 2 janvier, je suis malade. J'avais eu une angine que j'ai réussi à soigner. Mais après, quelques jours après, j'ai rattrapé une rhinopharyngite et un syndrome grippal. Donc là, je suis en arrêt maladie. Jusqu'à aujourd'hui et je retourne travailler demain samedi. Voilà. Et ensuite, je vais zoomer un petit peu. Et ensuite, avec de l'encre normale Distress que j'estompe pas mal. Hein. Un peu le fond. Alors, il faut bien doser pour pas que ce soit trop couvrant. Et que ce soit pas trop blanc non plus. Ça vous donne une petite pochette comme ça. Travailler. Moi j'adore, j'aime bien utiliser de beaux papiers, mais j'aime pas faire que coller les beaux papiers, j'aime aussi faire mes propres embellissements. Alors j'espère que vous aimez aussi. Donc je vais vous montrer l'album. Donc il est comme ceci, j'ai collé celui-là. Ce beau papier où il y a l'oiseau en haut de page et le vélo en bas de page. Donc, j'ai utilisé pour les deux couvertures. J'ai simplement ancré autour avec toujours la même, hein, la Distress Oxide Faded Jean. Donc, j'avais mis le basil bleu marine à l'intérieur des deux couvertures. Là, c'est une des étiquettes que j'ai découpées sur le papier.
Donc vous pouvez insérer une photo ici. Là, la première pochette avec une petite fantaisie avec un tampon que j'ai aussi trouvé chez Cultura en promotion aussi. C'était le tampon écriture Je t'aime. J'ai eu aussi à moins 50%. L'ai mis où? Pardon. Il est là. J'ai un de ces fouillis, je vous raconte pas. Voilà, donc il rend très très bien. Ça fait des écritures toutes fines. Et donc, j'ai fait un petit rond comme ça pour décorer. Ensuite, donc j'ai commencé à le faire avec ce magnifique tampon de chez Florilège Design. J'ai dû vous le montrer dans la partie précédente. Donc à chaque fois, vous pouvez insérer une photo 10 par 15. C'est les bonnes dimensions. Donc voyez ce que ça rend hein, avec ces beaux papiers du kit. Ça rend vraiment bien, hein, ils sont jolis. Là, j'ai remis un bout de basilic. Là, je l'ai collé que sur un côté. Donc, ici, vous pouvez insérer aussi quelque chose. Toujours la pochette. Parce que c'est vrai que c'est tellement qu'on a des beaux papiers, on n'a pas envie de coller dessus. Moi, je préfère insérer et quand je retire la photo, profiter de la beauté des papiers. Voilà. Alors c'était le papier où il y avait les étiquettes ici, toujours avec la petite pochette. Là j'ai mis le petit papillon en relief parce que c'était mal tamponné. Voilà, donc ce papier là aussi est très très beau. Voilà, toujours un peu de basil. Et après j'ai modifié un peu le décor parce que celui-là, je le trouvais joli, mais les trucs, les petites. Tout ce qui est répétitif, au bout d'un moment, comme tout le monde, on s'en lasse. Donc, j'avais envie de changer un petit peu. Là, j'ai utilisé ce tampon-là. Et en plus, comme ça, je fais joujou avec mes tampons. Et le but, c'est ça, hein, c'est d'utiliser votre matériel personnel. En plus du kit pour agrémenter vos créations. Donc j'ai ajouté une petite, un petit tampon comme ça. C'est dans ces tampons-là de chez Aladdin. Il est où? Il est là. C'est ce petit-là. Voilà. Le reconnaissez. Donc embossé avec de l'or. Et là, c'est le papier texturé bois. Donc là, je vais coller celui-ci. Alors, le double face de chez Cultura, pour ce genre de reliure, il va pas. Hein. Peut-être que pour des cartes à plat, c'est bon. Ou alors, c'est un. Un scotch repositionnable, je ne sais pas, mais franchement, je préfère largement le score pâle. Mais comme je l'ai rangé quelque part et je ne sais plus où je l'ai mis, malheureusement, je vais remettre la main dessus, mais il faut que je range. J'ai un fouillis, il y en a partout. Voilà, donc là, j'en ai encore un à faire ici. Et après, j'ai terminé par là, et là, j'ai remis une petite pochette ici. Voilà, donc j'ai quasiment fini. Et là, je vais peut-être coller quelques petites fleurs par rapport aux embellissements qui me restent. Donc, franchement, voilà ce qui me reste de tout mon kit. Il me reste quelques petites chutes de papier, quelques embellissements ici
mais il me reste pas grand chose. Voilà, quelques papiers vraiment des chutes, quelques chutes comme ça, mais j'ai vraiment bien optimisé mes papiers, je trouve. Et là, je voudrais faire justement des petites découpes pour mettre sur le devant de la couverture, pour et puis mettre quelques petites fleurs là, et puis ce sera quasiment terminé. À tout de suite. Oui, donc finalement j'ai choisi ce petit die là de chez Florilège Design que j'ai mis sur un petit une petite feuille aimantée. Donc ça donne ça. Dans ce beau papier contenu dans le kit. Et je vais faire cette décoration là dessus. Voilà, donc je vais le coller comme ça. Je termine, je colle celui-là, je termine le dernier, la dernière pochette, et après je vous refais une vue globale et après ce sera fini. À tout de suite. Alors j'ai eu l'idée d'utiliser pour les deux dernières petites pochettes ce classeur de gaufrage de chez Toga. Donc ça va donner ceci. Ça fait aussi un effet, hein. Et avec le... l'encre au-dessus, je vais faire ressortir le gaufrage. En en mettant un petit peu dans le fond quand même pour pas laisser trop blanc. Voilà. Voilà, ça fait aussi un petit effet. Donc là, j'ai collé. J'ai mis ici du scotch double face un peu en relief pour pouvoir insérer les petits feuillages en dessous. Donc je colle tout ça, je vous montre le final. Donc voici mon album terminé. Voilà, réalisé avec le kit du mois de janvier 2018 et la magnifique collection de chez Prima. Oui, de la collection Georgia Blue. Donc, j'avais fait une structure comme ça, avec un ruban et une structure accordéon. Donc, on l'ouvre comme ceci. Et là, vous avez plein d'emplacements pour les photos. Ici, là, donc vous pouvez rajouter des fantaisies, hein, des petites décorations là où vous le souhaitez. Donc, c'est tout simple, mais avec ces beaux papiers, ça rend bien. Ici, vous pouvez aussi insérer d'autres choses. Donc voilà, hein. Les papiers rajoutent au charme
de la création. Donc, j'en profite pour insérer les petites cartes qui sont fournies dans le kit. Donc là, il me reste vraiment pas grand-chose, donc je ne ferai pas de troisième projet. Donc j'ai fait ce projet-là plus une carte de bonne année dans la vidéo précédente, la vidéo en haut, la première vidéo. La vidéo précédente, c'était le tuto de la reliure en accordéon. Donc voilà ce que ça donne. Alors choisissez vraiment un double face de qualité ou une colle de qualité parce que sinon. Donc là, j'ai fait des raccords avec les papiers que j'avais hein, pour optimiser au maximum. Et là, j'ai quand même collé une pochette sur la dernière page pour y insérer des photos pour pas justement cacher le beau papier. Et là, pareil, ça fait une petite pochette. Voilà. Donc, j'espère que mon projet vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été le cas. Donc, voilà mes créations avec le kit du mois d'octobre pour m'adapter les kits de Corinne. Allez voir en boutique si il en reste encore. Il me semble qu'il reste quelques pièces. Moi, j'ai fini pour le mois de janvier pour les kits de Corinne. Je ferai peut-être d'autres vidéos personnelles sur ma chaîne. Mais en tout cas, ce qui concerne ma DT pour ce mois-ci, j'ai accompli ma mission. Donc, je vous donne rendez-vous au mois de février, début février, pour la présentation du kit et à nouveau une créa. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.